On était prêt à prendre une sauce. That's Dorian Pukril, and he is riding for Club Cycliste Saint-Louis. On l'a pas pris. Africa. Bon, c'est que pour le vélo, tu vois, rien d'autre. L'aventure humaine sur le vélo. En fait, il n'y a pas que ça ici. On n'est pas que des cyclistes. Moi, je trouve. Mais finalement, je préfère parce que ça fait un peu prétentieux le dos. Et là, nous, on arrive naturellement avec la notion de mélange, de métissage, et on est les seuls à faire ça dans le monde. Vous vous en rendez pas compte puisque vous êtes de cette île, mais moi, je suis pas de cette île, je viens d'ailleurs, j'ai voyagé un petit peu, et vous allez vous en rendre compte là. Vous allez vous rendre compte le diamant qu'est la Réunion. Par rapport à vos traditions, par rapport à votre esprit de mélange, par rapport à votre capacité d'accepter la différence, au niveau de la religion, au niveau de la race, au niveau de la couleur des peaux. Et vous allez vous rendre compte qu'on est les rares au monde à maîtriser ça naturellement. Pour des gens, ça n'existe pas en fait. C'est tout récent. C'est super important pour vous, à un moment donné, de prendre conscience des valeurs naturel que vous avez et de la force naturelle que vous avez. Le vol a été retardé, même beaucoup plus que ça, jusqu'à 22-23 heures. Donc là, on passe le temps comme on peut, en mangeant et en faisant une petite sieste chez M. Ferrer. Le voyage au niveau de ce que l'on est venu chercher ici a super bien commencé pour nous. On avait 14 heures de retard et on les a un petit peu testés. Bon ben voilà, est-ce que vous voulez rentrer chez vous, on se donne rendez-vous à l'aéroport à telle heure. Et ben non, personne ne voulait rentrer chez soi, tout le monde voulait rester ensemble. Et d'entrée, on s'est dit, bon ben voilà, c'est ce qu'il faut, on est dedans. Ils ont compris ce que l'on va faire là-bas. Let's go to the hotel. On verra ça demain, la course, tout ça. Aujourd'hui, concentrez-vous sur l'installation, le matériel, bien récupéré, parce que là, on a une nuit de 5-6 heures, ça ne suffit pas. Donc, trouver un bon. 3 heures. On a dormi un petit peu dans l'avion. Donc, monter le matos et puis faire une bonne sieste. Il y a beaucoup de fatigue, bien évidemment, parce que 14 heures de voyage, on est arrivé à Johannesburg super tard, il fallait se lever super tôt le matin. Donc, beaucoup d'inattendus, beaucoup de choses qu'on n'avait pas prévues. Mais finalement, voilà, on arrive en Afrique du Sud, dans un super endroit. Les gens sont crevés, mais. Tout le monde est content d'être là. Let's go.
It's time to Africa. Je te dis, mon ami, nous sommes rentrés au pays. C'est un retour aux sources. Je suis bien ici. On a l'idée, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, de sortir un petit peu de cet itinéraire prévu et conseillé, et puis de rentrer dans la ville même, quoi. Et puis en fait, on se retrouve en plein centre d'un township. Et puis là, de suite, les curseurs montent, tout le monde s'arrête de parler, puis c'est des regards super importants. Là, tu n'as plus besoin de parler, quoi. Il suffit simplement de vivre l'instant, et voilà ce qu'on est recherché là. On dirait, hein. Quoi? Ah ouais, hein. Vous avez joué là comme ça, bam, dans le sable, ils sont avec les tablettes. Il n'y a pas de PlayStation là, il n'y a pas de réseau là, Sean. Un point de réseau là, gars. Par Facebook là. Et ça revient à ce que tu m'as dit hier pour un truc con, hein. je viens de repenser. Pour les lunettes à André, tu dis comment t'es, 89€, t'es, c'est moche, c'est chier, tu gazes, montre comment. Mais comme je te dis, regarde 89€, regarde ça, gars. Eux, ils sont heureux dans ce qu'ils ont. Ils ont rien en fait. Ils sont heureux. Tu vois, c'est un truc de malade. Ouais. Les idées en place. Ah oui. Tu gagnes 10 ans d'un coup en fait. 10 ans d'un coup. C'est impressionnant. Ah ouais. C'est une coup de claque. C'est un coup de claque dans ta tête et ouais, on s'y attendait pas du tout à ça. Moi quand André m'avait dit de venir, etc. etc. C'est que pour le vélo, tu vois, rien d'autre. L'aventure humaine sur le vélo. En fait, il n'y a pas que ça ici. C'est beaucoup plus que ça. L'idée, c'est de sortir un petit peu de nos schémas, c'est-à-dire les courses à La Réunion, un petit tour de Maurice par-ci par-là, un championnat de France pour les jeunes. J'ai envie de te dire que le résultat, on s'en fout. L'idée, c'est d'y aller, de la faire, cette course. Et puis après, quel que soit le résultat, ben, on aura travaillé l'humeur, on aura travaillé le technique et on aura travaillé notre physique et on a pris un palier. C'est qui 51 ? Chad. Ah, leader. Ah. Tu sais ce que c'est le 51? C'est leader. C'est Guy Lalonde. C'est d'alcool. Ce Tour de France. Ouais. Dossard qui a gagné le plus de Tour de France. Mmh. 51? Ouais. Bah, c'est Guy Lalonde qui a gagné le moins de Limpopo. Et Julian Chanfoc, Luc Castel, Romain Jean, Dorian Pecrou, Rémi Serbioui, and Arthur Vatel can come forward. Welcome to our coverage of the 2019 running of the Tour de Limpopo, the second time this amazing event has been held. Four stages will still be run, but this time around we start in the picturesque town of Bela Bela. The opening day is an extremely long, flat and testing 175 kilometers. With a number of teams making the lineup, 19 teams all in all, 176 riders covering 8 nations. Sorti de la préparation,
toute l'imagination, l'Afrique du Sud, UCI. Là, c'est une course de vélo, quoi. Vous faites comme vous avez l'habitude, c'est course de vélo. Voilà. Il y a une distance, on ne sait pas qui va mener, qui ne va pas mener. On ne cherche pas à savoir, on s'en fout. On est concentré, on sait ce qu'on a à faire. Et après, que ce soit des pros, pas des pros, on s'en claque. On revient à nos fondamentaux. Manger, boire, pédaler, se renseigner, communiquer, se placer. Et puis ça va le faire. D'accord ? Jean-Louis ! Very long opening stage, one of the biggest opening stages of any South African tours or African tours at the moment, and a brilliant sprint finish win. Yeah, no, that was a nice race, long straight roads, but it's nice to have the longer races here in South Africa. It's a bit different, different tactics. C'est tactique. Tactique à fond. C'est pas une question de physique ou quoi que ce soit. Ouais, c'est dommage, c'est comme ça. Nous sommes agréablement surpris du niveau qu'on a, d'accord ? Parce que c'est une classe 2 et puis on est là, quoi. Julien part dans la première échappée du matin, Arthur est dans le contre, et après tous les autres, vous êtes dans le peloton. Vous avez participé à la course et on est au niveau. Enfin, pour finir, j'ai envie de vous dire qu'on a fait une étape, la plus longue, il n'en reste plus que 3, plus courte. Profitez les mecs, jouez. Jouez, allez-y, faites-vous plaisir. Trois jours, c'est fini. On a vu qu'on pouvait les suivre. Maintenant, on va voir si on peut y aller. Progressivement, tranquille. Aucune obligation de résultat. Si demain, il y en a un qui tente et que 10 km après, il saute, mais je m'en tape, je le félicite. Après la première étape, je me dis que physiquement, c'est peut-être... la course est peut-être... plus accessible que l'on pouvait penser. Tout le monde disait que oui, on va sauter et tout, mais en fait, pas du tout. On a vu qu'on a réussi à tenir, qu'on pouvait partir dans les coups. On savait aussi que notre terrain allait arriver sur les 3 derniers jours, quoi, avec les bosses. One of the big players from yesterday went down hard. That was a tough crash. I mean, no one, you know, wants to go down and no one wants to make a mistake. Importantly, look to the left-hand side of the shot. Yellow jersey went down. Green jersey was caught up but didn't have a problem. So the big story for the early part of today was overall GC went down. C'est juste devant moi et je freine, j'appuie à fond sur les freins et je pose le pied à terre. J'arrive à esquiver, je repars. On a pris une petite cassure dans la descente. Et à ce moment-là, ben, il était un peu en panique. Et celui-là, il n'avait pas de coéquipier. Il cherchait du monde pour rouler avec lui. Donc, du coup, ben, il n'y avait que Dorian et moi qui m'ont aidé. Ce moment de la course, rouler avec des mecs comme ça, on apprend beaucoup plus qu'en une saison à La Réunion, quoi.
That's Dorian Pecril, and he is riding for Club Cycliste Saint-Louis. Je roule avec le maillot jeune, Gustave Basson. C'est une fierté parce que voilà, il connaît le vélo, il a de l'expérience, et puis moi j'arrive en tant qu'amateur, je l'aide, en plus je l'ai aidé pendant cette étape à essayer de défendre son maillot. Pour moi c'est cool quoi. C'est une classe 2 quand même, tu vois. T'es avec Basson quoi. Et tu roules. Faut pas cacher derrière, mais c'est ça qu'il faut. On s'en fout du résultat. On fasse 15, 20, 25 jusqu'à la tapée. C'est qu'il renifle le goût du haut niveau. Nous remet aussi tous les deux avec une petite tape dans le dos et ça fait plaisir quoi. Ça veut dire que mine de rien ben il a apprécié qu'on vienne l'aider et qu'il y ait une forme de respect quoi. Bien les gars, super ça. Ça fait plaisir de pouvoir rouler devant sans calcul. On roule, on se fait plaisir. Et c'est pas bon de rouler devant comme ça sans déconner les mecs. C'est pas bon. Ça ouais c'est du vrai vélo quoi. Et ouais. Tu peux regarder ta moyenne, hein. Tu vas voir que... Tiens, 42. The level is really, really high. We have no our baby, him and him, but they finish really well today. They are good timber. And tomorrow we expect to do something better, maybe a little surprise. That's it. Awesome, that's perfect. That's exactly what I wanted. Thank you so much. Enjoy the dinner, guys. Thank you. My research. Ça dit quoi? On sait qu'on peut suivre quoi, le costaud. Donc aujourd'hui, on fait pareil. Et c'est vrai que c'est plus à notre avantage aujourd'hui que hier et avant-hier. Welcome to today's stage 3 of the 2019 Tour de Limpopo. Today's stage takes us from Tzanin to the Mujaji's Kloof along the R36. Our first real test of the day comes at the 37 kilometer mark. It's a short, steep climb in the 103 kilometer stage. There's 2,000 meters of total elevation gain, but the first King of the Mountains comes at the 37 kilometer mark. After that, we follow some undulating terrain for the next 20 kilometers before we descend the escarpment towards the Tzanin Dam. C'est cassé. Ma chaîne est tombée suite à un trou. J'ai tapé dedans. J'ai essayé de la remettre, mais j'ai pas pu. Et par la suite, il y a eu un autre gars d'une autre team qui m'est rentré dedans et j'ai tout cassé. Dérailleur, roues, cadres. Puis j'ai dû abandonner. People are definitely in dribs and drabs all over this mountain. This looks like it could be a Brunei rider in the yellow jersey just up ahead of us, and rider number 51.
he's definitely taking strain from France, Julien Jacques Foch. In fact, he's from the Réunion Island. Déjà, un premier coup au moral qu'on apprend que Dorian a cassé. Ça roule fort. On arrive au pied de la bosse avec 44 de moyenne. Moi, j'ai senti que je n'étais pas dans un grand jour. J'avais les jambes assez lourdes, quoi, les deux premiers jours. Au début de la troisième étape, j'étais sec. C'était vraiment l'étape la plus dure, quoi. Réussis-toi, regarde. Viens t'asseoir là, tranquille. Quand Dorian abandonne, il y a plein de trucs. C'est injuste. Le mec, il a bossé, il est là et... Puis il casse son derrière, quoi, je veux dire. C'est plein de choses qui se mélangent et puis ça frôle le traumatisme. Hein. Ça frôle le traumatisme. C'est une blessure de ton vélo. Tu vois, quand tu te blesses, toi, c'est un petit peu de ta faute. C'est ta préparation, c'est ton corps. Mais là, c'est ton vélo qui se blesse, quoi. C'est mécanique. Franchement, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on veut faire? J'étais fixé sur moi-même, je pensais plus qu'à rentrer à la Réunion, quoi. J'étais vraiment dégoûté et en fait c'est Rémi qui m'a parlé, il m'a dit que voilà, que ça fait partie du vélo, c'est un sport aussi mécanique et que il faut passer par-dessus, quoi. Il faut tourner la page et penser aux objectifs. C'est comme ça, hein. L'expérience ronde, c'est pas grave. On apprend, on est là pour ça. Sitting by the ocean, your heart she feels so sad. Because you ain't got take you back to Trinidad. Why yo, 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 pas envie de prendre le départ là. Pas envie de prendre le départ. Ça va grimper direct. Good morning, folks. Welcome to our viewers for stage 4 of the 2019 Tour de Limpopo. The stage today leaves from Tzaneen and moves back to the capital city of the Limpopo region of Polokwane. We've got a 116-kilometer stage with 1,976 meters of climbing. Prends pour Arthur. Je sais ce que je fais. Dépêchez-vous. Tranquille, allez, Julien. Tranquille, ils sont là. Oh. Ils sont en train de se jouer et puis ils sont là, quoi. Le résultat, c'est encore autre chose. S'ils peuvent prendre quelques primes, c'est bien. Mais pour la suite, sentir que quand la course se joue, ils sont là. Oh, there's been a crash. Oh, this is unfortunate. David Marrer is on the ground. Hey,
les aurait pas amenés ici si on avait senti qu'ils n'étaient pas capables. Non, ils étaient capables, mais bon, on ne l'a jamais fait, donc tu n'as pas la certitude, quoi. Je pense que vous avez battu des records. Hein. Ah, je suis jamais... Sur la route, là, on n'est jamais descendu en dessous de 60. J'ai jamais roulé aussi vite. Je ne connais pas, c'est pas dans aussi longtemps. Jamais. J'ai écrit ce type. Ça, c'est qu'on dénonce tout le long, frère. J'ai jamais vu ça. Je dis, pas possible, non. Ah, c'est vrai, quoi. Quelle affaire, on a esquivé une chute, mais c'était un truc. Gars, j'ai vu les affaires, bon, du gars à droite. On était à 50-60. Ah ouais, bah, c'est tombé sévère, je connais pas. Je pense qu'ils ont fait un bon boulot, on les voyait souvent dans les bons coups, à l'avant du peloton, avec quelques éléments toujours représentés. Ils ont tout intérêt à continuer à participer à de telles épreuves pour prendre de l'expérience, augmenter leur niveau et se mesurer à toutes ces nations africaines qui étaient présentes ici. Tous les deux dans les vins, les gars, c'est très bien ça. C'est très bien. Ah ouais, putain. Bien content d'en avoir fini, mais c'était vraiment chouette malgré tout, même si c'était dur. Je savais qu'il allait avoir un très très gros niveau et ouais, on n'a pas été déçus. Après, ouais, j'ai plus été surpris sur nos capacités, quoi. Voilà, on n'a pas pesé sur la course, mais on est là avec les meilleurs, on arrive à suivre. Et quand même, là, c'est pas des rigolos. Quoi, donc, On se dit que ben, finalement, on a quand même un bon niveau à La Réunion, on n'est pas si ridicule que ça. Quoi. Nous, on a cette chance de faire un sport où on peut aller se confronter à des gens plus forts que nous. Et on ne va pas y aller. Non, c'est ce qui fait rêver. Tous les joueurs de football veulent en Coupe de France prendre le PSG, l'OM ou je sais pas quelle grande équipe. Quoi. Ils préfèrent prendre le PSG et prendre 5-0 que jouer une équipe de ton niveau et passer le tour. Ben voilà, c'est exactement ce qu'on est venu faire là, nous. On était prêts à prendre une sauce. On ne l'a pas pris. Your ladder is strong, but in my opinion. Francesco, campeón del mundo. I think for now no good. Bravo. No good Bravo. Experience in the big race, but step by step, I think is better. Il y a plein de choses qui évoluent et franchement, moi je suis super fier de ça, quoi, parce que ça. C'est encore une fois, on fait du vélo, mais on est des êtres humains, quoi. On n'est pas que des cyclistes. Voilà. Dancing one.